Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Bon, un petit tuto, et après un pack opening, si on a assez le temps. Donc aujourd'hui, on va dire comment changer de compte Clash Royale. C'est une chose assez intéressante, il faut aller là, sur paramètres, puis sur connexion Google Play. Bon, je vais pas y aller, sinon on va voir toutes mes adresses email. J'ai quand même quelques comptes Clash Royale, j'en ai trois, je pense. Il y a celui-là, mon Goran, et le compte... ton droit niveau 1. Alors, je vais peut-être faire des vidéos dessus. Mais je l'ai pas monté, j'ai préparé, voilà, comme ça. Donc là, ce sera juste comment changer de compte, voilà. Donc après, quand vous allez là sur paramètres, je sais pas si je l'ai dit, sur Google, connexion Google Play, ouais, je pense que je l'ai dit. Et après, normalement, vous allez tout en dessous, vous allez trouver un bouton pour créer un compte. Vous allez créer un compte. Voilà, vous avez entré tous vos petits machins là. Ouais, tous les ustensiles indispensable pour créer un compte, vous le créez, voilà. Donc moi ça marche pas dans le deuxième sens, donc je vais me reconnecter sur mon grand compte. Donc voilà, pour vous connecter un compte à un autre, moi ça marche qu'au grand ou au petit. Après il faudra faire une autre stratégie comme on vient de dire. Donc là vous avez créé votre petit compte, imaginez, vous voulez récupérer le grand. Donc vous allez sur je sais pas vraiment, j'ai bafflé un peu tout. Vous allez sur Google Play, vous allez connecter à votre grand compte. Après, il va vous dire ça. Donc oui, je vais le charger. Voilà. Donc je vais entrer mon adresse email. De toute façon, vous ne pouvez rien obtenir comme ça. Il faudra le code. Après, ils m'ont envoyé un code. On n'a pas ce code-là, mais... Le... Oui. Moi, ça, c'est juste voilà pour une fois. Donc moi, j'ai fait plusieurs voyages dans mon petit compte pour rush tout ça. Donc hop. Mon compte, c'est... Mon code, c'est 6839... 10, donc tranquille, hop, je leur tape, je pense que c'est ça, hop, c'est 6, 8, 3, ok, donc, 6, 8, 3, 9, 10, voilà, donc, hop, voilà, le compte a été mis. Donc ça, je signale, c'est mon grand compte, pas de problème. Donc voilà, c'est qu'on connaît un peu tous. Donc, tranquille, ça va vous remettre un peu tout, voilà. Donc maintenant, comment on fait pour connecter le deuxième compte? Donc, vous allez aller, voilà, vous l'avez créé, vous retournez sur connexion Google Play, vous le désactivez, vous le réactivez si vous êtes déjà activé. Puis après... Ouh là là. Non. Ah là là, c'est catastrophique. Ça fait une vingtaine de fois que je la tourne, donc stop. Donc là, ça va être la bonne. Je vais sur application, sur Clash Royale. Voilà. Après sur stockage, supprimer les données. Je suis sûr de ce que je fais. Vous pouvez récupérer le compte, j'ai tout montré. Pour être sûr que c'est pas de la douille, de toute façon. J'arrive bien à me connecter comme ça. Vous allez aller là, tranquille. Sur Clash Royale, pas de panique, c'est normal. Vous allez vous connecter. Tranquille. Le temps que ça se mette en jour, voilà. Ça prend longtemps. Ouais, il faut faire ça, bon, à chaque fois qu'on va se connecter sur mon petit compte, de toute façon, moi je fais tous les soirs un petit rush. Moins de 20h à 21h. Ouais. Moi j'ai déjà fini. Donc là, je vais me connecter sur mon deuxième compte. Hop. Donc, maintenant que je me suis connecté, j'ai chargé mon compte, voilà. Hop. Donc maintenant j'ai mon compte. Tranquille. Si on veut refaire l'inverse, il va falloir d'aller déconnecter Reco. Puis de sélectionner votre adresse email du grand compte. Donc moi c'est celle-là. Hop. Donc je charge. Voilà. Puis après il faut remettre l'adresse email, tout ça, pour vous connecter. Donc moi je vais pas le montrer deux fois. Je vais juste pour l'instant regarder le pack opening du King of Noob qui vient de me l'envoyer. Donc je vais le remettre au début. Bon, ça se met automatiquement à la fin quand je crois. Hop, donc nous avons un pack opening.
assez cool. Donc, il obtient le pêcheur, il prend son temps. Voilà, hop, le pêcheur qui est débloqué. Chez moi aussi, il est débloqué. Il nous montre les offres. Je sais pas s'il va les acheter. On va regarder encore. Sauf magie. Qu'est-ce qu'il va obtenir? Légendaire, quelque chose? Non, pas de légendaire. Un dragon, tout ça. Ça fait de l'eau. Et des... Hop. Et il a quasi tout max. Oulala, deux coffres magiques dans la légendaire, le seul. Ne vous inquiétez, il a plein de coffres légendaires. Il en a genre 3. Déjà 3, c'est bon. Le premier coffre légendaire. Sorcière de la nuit. Donc c'est une des cartes qu'il a pas max. Je sais pas si c'est la seule, à part le pêcheur. Je vous laisse une nouvelle, voilà. Personne n'a max quasi en ce moment, parce que... Sauf ceux qui gèlent, qui achètent tout le max. Donc hop, il débloque des récompenses. 3000 or. 50 pierres tombales. Coffre géant. Du séisme, méga boule à neige, de la roquette. Ok. Hop. Méga. Ah, c'est pas un méga coffre foot, c'est un coffre légendaire de foudre. Inventer des noms, je sais pas. Donc là, il va essayer d'avoir le pêcheur. Donc c'est le mineur, méga chevalier. Puis bûche. Zap. Le los. Ok. Ton royal. Et le pêcheur. Voilà. Donc elle a eu le pêcheur. Il l'a niveau 10 ou niveau 2 pour les anciens. Coffre légendaire de foudre. Voilà. Hop, cimetière. On va le zapper. On va le foudrer. Zappi. Princesse. Sorcier glace. Voleuse. Électro-sorcier. Mineur. Allez, dernier coup. Méga chevalier. Il aurait dû garder le cimetière, mais bon, on savait pas à l'avance. Voilà. Oui. Donc, je pense qu'il a fini avec son pack opening. C'en était un beau. Voilà. Il fut. Donc, merci à King of Noob de nous avoir envoyé ce pack opening et d'avoir partagé aussi. Hop. Donc. Non. J'ai envie de garder ce compte. Moi, ça m'était juste que je pouvais me connecter sur mon deuxième compte, mais je vais recheck le compte avec ce compte. Surtout que j'ai un deck un peu what the fuck, comme on dit. Ouais, il a deux sorts. Moi, c'est un deck qui monte bien, mais faut-il avoir les légendaires et tout ça. Donc oui, à chaque fois, ça fait ça. Moi, je sais pas vraiment si... Moi, ça m'a fait que sur mon petit compte. Bon, ça dure pas longtemps. Des fois, c'est sur 43. Là, ça dure plus longtemps, mais bon. Faut pas chipoter. On gagne jamais rien si on chipote. Donc, bonne chance. Ouais, les émotes chargent comme ça aussi. Faut préciser. Donc, mousquetaire. Ça fait longtemps de rester de voir l'arène 6. Parce que j'étais bloqué en arène 6 pour ceux qui... Moi, personne ne s'en souvient, j'ai fait ça de mon côté. Moi, j'osais pas faire de combat, donc je restais en arène 6. Et je me suis dit, celui qui tente n'a rien. Moi, celui qui tente pas n'a rien. Voilà. Donc, j'ai tenté après. Et j'ai pas regretté. Parce que mon deck était tellement puissant que je faisais toujours du 3 couronnes jusqu'en arène 8. Vous imaginez quoi? Tac, 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 tac. Tout plein d'arènes. Défilé comme ça. Ça fait beau. Hein. Ah ouais. Après, je suis direct monté en arène 9 un jour après. Avec mon petit deck. Hein. Qu'est-ce que c'était que cette BDF? Voilà. Au début, j'avais un peu peur de ce deck parce que ceux qui s'en souviennent qui étaient là il y a à peu près 8 mois, on va dire, ont rencontré un seul deck. Le deck full bâtiment. Celui-là. Celui que tout le monde déteste, qui se faisait counter. Mais par contre, quand c'est vous qui l'essayez, bah, c'est toujours vous qui perdiez. C'est bizarre. Je sais pas si vous pouvez perdre, mais moi, oui. C'est ça qui faisait rager. Tu rages dessus tellement c'est fort. Tu testes et c'est toi qui rage dessus parce que t'as perdu. Il y a tellement de troupes sur le terrain que tu sais pas comment gérer ça. C'est horrible.
Ah, j'allais dire pré-shot, mais non. Il n'y a plus de troupes. Ça a tout défoncé. Vive le Molosse. Hop. Ouais, le Molosse, c'est quand même fort. Hein. Surtout en arène 6, parce que je regardais pas mon élixir. Que le Molosse en arène 6, moi, même en arène 4, c'est la légendaire, la plus chillée. Comme les mineurs. En fait, les légendaires sont niveau 9. C'est ça qu'ils sont cheatés. C'est qu'après, voilà. Genre, le Molosse, il te met 100 dégâts. Et avec tes Molosse, avec ses roquets de lave, il te met 3 coups de la tour pour tuer un roquet. Et déjà, ce machin, quand ils font 2 coups, je pense que c'est près de 100 dégâts. Alors qu'il en a 8, bah, c'est... A chaque fois, il y a ce petit truc qui revient là. Pack opening. Yes, j'ai eu de la méga. J'ai content. Parce que pour ceux qui ne savent pas, moi, ce compte va rester évolué. Alors, tout le long de la chaîne. C'est un compte que j'ai pas dirigé vers le PK cette fois-ci. Mais plutôt sur, vers le GR. C'est pas le deck d'émoticônes que je voulais, c'est ça. Donc là, j'ai déjà commencé un petit deck GR tranquillement. On manque juste ça que j'ai oublié de mettre. Méga gargouille que je viens de la débloquer, il manque plus que GR. Pour l'instant ça va, puis après il faudra max à peu près tout. Voilà, maintenant je demande de la fournaise pour demander. Là je demanderais plutôt de la méga. Je sais pas vraiment s'il y a la mousquetaire dans le deck GR. Non, je sais pas. J'ai regardé, je vais la faire. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? J'entends pas. Ah! Pack opening. Merci fournaise. Ils sont généreux en fournaise. Donc maintenant qu'on connaît, je vais me connecter sur mon deuxième compte et on va faire un combat. Voilà, ce sera un petit combat de tous les comptes. Donc on se retrouve une fois connecté. Donc c'est un peu bug, donc j'ai dû remettre. C'était très bizarre. On a le bug de connexion qui est parti. Donc, je sais pas dans quel mode on va faire, vu que j'ai fini le mode. Oui. Les seuls combats que je vois, c'est ceux-là. On peut aussi parler des bugs. J'en connais un rien. Genre, il y a celui-là. Là où il y a une barre en plein milieu du message. Voilà. Et il y a celui-là. Celui où les TP les trophées sont TP à un nombre de trophées. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je veux pas me retrouver en arène 9. Je suis très bien en Ligue 3. Mais bon. C'est peut-être que ça a pas chargé. Je sais pas. J'abandonne. Je vais partir tranquillement en combat. Voilà. Je sais pas pourquoi cette saison je sens bien. Parce que j'ai fait que des victoires. Hop. Bonne chance. Et celle-là. Mec qui dit qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce un bon joueur? Déjà, je sais pas. Parce qu'il est tour droit niveau 11, donc il est certainement de Ligue 4. Comme tous les autres que j'ai combattu, pourquoi? Donc, on est contre Rubix. Ok. Ils font ça contre Barbare. Hop. Rico, gobelin sarbacane. Je préfère flèche, j'aime pas. Ah, j'ai pas touché la tête, de toute façon elle s'enfuit. Hein. Ouais. Je sais pas. Que dès que je sors d'un petit rush de l'arène 6, vous voyez là, et ben j'ai toujours le comportement de l'arène 6. Avec mon deck. Bourrin. Donc je mets tout. Mais après, vous voyez, j'ai plus de. Deux et hop, j'arrête la phrase. Ah, j'ai plus d'élixir, voilà. Je sais pas pourquoi, j'étais concentré dans le push qui m'a mis. Dans un push inexistant. Un faux push. Un faux push. À part les trois squelettes, ça c'est pas un push du tout, c'est la loose. Bon, ça va. Ça peut gérer un mini PK. Pour un d'élixir, c'est vachement cheaté. Y'a tout le monde qui dit que c'est nul. Mais bon, moi je trouve ça fort. Hein. Pour un d'élixir, tu gères un mini PK. Voilà, quand tu fais une volume 3 d'élixir, moi je trouve ça pas dégueu. Après, genre, celui qui a mis les 3 squelettes, il peut remettre un bombardier derrière qui a fait 200 dégâts à peu près par coup.
Bah c'est fort. Et ça peut faire des dégâts. T'as plus de tour hein, si. Ok. Pourquoi pas. J'ai envie de dire c'est pas l'emplacement de Tesla la plus dégueu que j'ai jamais vu. Ah j'ai mal mis mon électro. Le plus dégueu c'est derrière la tour, mais pourquoi? Ça a aucune utilité. Personne va mettre un fût quand. Oui parce qu'on me l'a déjà fait hein. Tesla derrière la tour là. Je sais pas, le mec il la mettait à chaque fois derrière la tour. C'était un genre de. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu pré-shot? Un fou peut-être, un fou à gobelin. Mais bon, il y avait full PV. Hein. C'est ça le pire. Le mec il met limite de ça derrière la tour. Quoi. En plus, c'est que ça s'est reproduit deux fois. Quoi. Ah la mauvaise bûche. Vive mon sorcier. Hein. The sorcier. Ah non, c'est pas vraiment The Sorcier, parce que The Sorcier a réussi à survivre à un gang, plus une armée de squelettes, et une horde. Ça, c'était The Sorcier. Je l'avais pas connu. Donc j'appelle Le Sorcier, parce qu'il a tout fait. Il a tout radé. Donc je tente un mineur, hein. Toujours au même emplacement. Oh, et qui va choper le Kirikou. Quel mineur! Je l'ai mis aux Olympiades. J'aime ce mineur. C'est peut-être la victoire qui nous attend. Oui, c'est la victoire. Bah, bien joué. Super combat. Hop, plus 30. Et on nous chope direct un petit coffre. Débloqué. Ah, un jeton légendaire. Okay. Donc je suis dans un clan Team Truite. C'est là où il y a Seigneur 9 et Farce Attaque. Juste dit comme ça, c'est. Mais c'est pas. Qu'est-ce que je vais demander? Non. Du mineur. Ah, c'est le mec là qui veut pas. Du molosse. Je donne le molosse. J'ai pas envie de molosse. Hop. Donc c'est. A plus pour une prochaine vidéo, c'était Max77, bye!